big logistics, big things. You gotta respect the place. I'm gonna do what I come. Fini les bêtises. J'ai le trophée là. Je peux partir surfer du coup. Pas tout de suite, on va attendre un peu quand même. Je voulais prendre la plus grosse vague de ma vie à Nazaré. That's your best option. C'est à toi, c'est ton tour, mec. C'est ton jour, quoi. We are having fun, but it's not like playing anymore. Alors, quand on sort de l'hiver, qu'il n'y a plus de possibilité de faire de surf de gros, ou l'hiver, quand il y a des périodes un petit peu de transition, je fais énormément de vélo. C'est quelque chose de ludique, mais qui te permet quand même de faire du sport pendant longtemps avec une intensité à certains moments qui se rapproche du surf de grosse vague. Let's go. Ouais, l'arrivée chez Spé, ça a été quelque chose de fabuleux. Quand Specialized m'a dit tu peux venir nous voir, on te fait toute une étude posturale, on te passe un vélo, on te fait découvrir le showroom et tout, c'est quand même le siège même, pas le showroom, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un lieu vraiment unique en son genre pour le coup ici, c'est vraiment énorme. Faut savoir que c'est une très grosse marque, pour pas dire la plus grosse marque de vélo. Avec des yeux d'enfant, tu passes la porte du plus beau showroom d'Europe, voire du monde, tu rentres et il y a tout type de vélos, il y a des vélos de professionnels, des anciens vélos, les tout derniers modèles. Ouais, t'as les yeux grands ouverts et tu te dis wow, qu'est-ce qui se passe? T'as des papillons dans le ventre et tu te dis bon ben ouais, tu vas intégrer cette famille. Bien ici. JSP, ça pue le sport quoi. Tous les gars entre midi et deux, ils prennent le vélo, ils vont rouler, ils se font des petits trucs. Donc je me suis dit allez, on va aller découvrir cette façon d'être et surtout la société. Savoir comment ils travaillent, pourquoi, qu'est-ce qui est mis en avant avec les vélos pour de façon à ce que les gars ils aillent plus vite. Qui se fatigue moins, ça peut être une réflexion qu'on doit avoir dans le surf de grosse vague, enfin que j'ai moi du moins. Tu vas arriver, découvrir un petit peu tout le monde, leur parler parce qu'ils avaient beaucoup de questions aussi concernant le surf et plus particulièrement le surf de grosse vague, c'est pas quelque chose que les gars voient tous les jours. Donc mélanger un petit peu les deux univers, ça a été quelque chose de fabuleux. Là, c'est la seule où je vais te faire un petit peu de torture ce matin. Pouvoir te mesurer à toi-même. Incroyable, tout seul. Ouais, c'est vrai. Comme tout le temps. Pour parler un petit peu de l'étude posturale, il faut savoir que dans le vélo, on passe beaucoup de temps sur le vélo. La position, elle n'est pas très confortable. Du coup, le moindre petit réglage peut donner un mal au genou, un mal au dos, ce genre de choses-là. Et le fait d'avoir passé du temps avec les gars, d'avoir été les rencontrer au siège, d'avoir fait cette étude complète, ben, elle m'a permis de me dire, ok, si demain il y a un swell, dans 3 jours il y a un swell, je peux aller faire une grosse sortie de vélo, je vais pas avoir de courbature, je vais pas avoir de douleur, et en plus avec le matos extraordinaire que j'ai, un vélo de folie, ben, je vais prendre du plaisir, même si ça fait assez longtemps que j'ai pas roulé. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer pas mal de choses sur toi, on va te créer un profil. Ouais. Je vais te poser 2-3 petites questions sur ta pratique, comment est-ce que tu pratiques, combien de fois par semaine, quel type de pratique et tout ça. Et après, on aura toute une partie où on fera des évaluations. Et ça nous permettra du coup de voir un petit peu ton corps, où est-ce que tu as des limitations, où est-ce que tu n'en as pas, où est-ce que tu as des forces, des faiblesses. Donc ça nous permettra un petit peu de t'évaluer dans l'ensemble général. Ça va nous donner la distance entre les deux eaux d'assises du bassin et ça va te déterminer la taille de la selle en fait. Et on va utiliser du coup de la réalité augmentée. Okay. Donc en gros, il va y avoir ton petit squelette en bleu, un peu comme dans le motion capture des dessins animés. Dans une bonne balade. C'est pour ça qu'à tout arrive, on voit la télé, là, dans les vagues de 20 mètres avec sa planche. C'est ça. Toutes ces mesures-là, en gros, quand c'est dans le jaune, on n'est pas exactement au bon endroit. Et quand c'est vert, c'est qu'on est plutôt au bon endroit. Et après, le truc sur lequel on va travailler, c'est le choix un petit peu des composants, surtout la selle. On va regarder que les cales soient bien réglées. Et puis on va avancer petit à petit, hauteur, recul, okay. Les postes de pilotage. On va vraiment commencer par le bas du corps au début. C'est ce qu'on veut poser. Et après, ça découlera du reste. Quand tu repars le soir, tu fermes le coffre de ta voiture avec le vélo dedans. Tu te dis, waouh, ça y est quoi, je rentre à la maison. Et là, je vais avoir envie de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur le vélo. Donc, c'est très bien. Ouais. On se battre pour m'amener surfer en rentrant. Je vais avoir envie de faire que du vélo.
et le vélo est vraiment devenu une activité importante dans ma prépa, dans ma préparation, on va dire il y a 4 ans. Alors mon objectif à vélo est être invité au Tour de France, c'est sûr. C'est vraiment de garder une grosse condition physique. Là du coup peut-être que le doute il est venu en moi en me disant qu'est-ce que je vais faire le dimanche après-midi quand je vais arriver en haut d'un col avec la langue ici en bas et que des gars avec des vélos beaucoup moins bien que moi vont arriver deux fois plus vite. Alors depuis cette saison maintenant, l'été je ne fais pas que faire de la préparation physique. J'ai une école de surf et une location de vélo au sein du village Natureo à Seignos. Donc aujourd'hui j'avais 5 salariés et 180 vélos à la location, ce qui commence à faire quelque chose d'assez solide. Comme tout chef d'entreprise, l'été je me levais à 6h du mat, je rentrais chez moi à 22h30. Donc l'été en fait j'avais même beaucoup de mal à m'entraîner. Alors une journée type, gérer les salariés. Ensuite, quand venait la bonne marée, ben, je partais faire les cours de surf. Je fais à peu près 4 cours par jour, ce qui correspond à 8 heures dans l'eau. Quand je reviens à l'école de surf, ben, je prends le relais de la personne qui est à l'accueil pour pouvoir finaliser un petit peu la journée. 95% des clients n'étaient pas au courant que je ne faisais pas que donner des cours de surf et que l'hiver, j'avais une activité qui était complètement différente. C'était une volonté personnelle. Parce que c'est pas parce qu'on est surfeur de grosses vagues qu'on est un bon moniteur. Et du coup, Pierre, il fait quoi? Il surfe des petites vagues? Non. Non, des grosses. Des grosses comme? Des grosses vagues. Comme celle-là, comme là-bas, là. Là-bas. Non, mais montre-moi avec les mains plutôt. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, de tout en bas au plafond. De là-haut à là. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand tu arrives à la fin de l'hiver, tu as surfé, tu as bougé partout, c'est cool de faire un petit break. En fait, moi, à la fin de la saison, ben, j'enchaîne la nouvelle saison qui est déjà un petit peu lancée. Il y avait toujours ce plaisir du débutant que tu pousses sur la vague, donc tu l'aides à prendre sa vague, tu lui as donné des conseils et en fait, quand la personne se lève sur la planche, qu'elle se retourne, elle te regarde et... Waouh, ce grand sourire-là, moi, je m'en lasse jamais. Je m'en lasserai jamais. Et donc, ouais, l'été, je passe beaucoup de temps à prendre du plaisir, à donner du plaisir aux clients, quoi. Et que les gens s'amusent, que les gens s'éclatent et qu'ils découvrent ce que c'est que faire du surf. Allez, on va tous se baigner. On a terminé, c'est bien. On va se baigner. C'était comment le surf? C'était bien. C'était que bien. Trop bien. Ah. Marcher dans la dune, c'est ce qu'on adore, non? Non. C'est le pire. Ah bon? T'aimes pas? Je déteste. Moi j'adore ça. C'est mieux que surfer, hein? Non. C'est bon pour les cervicales. Il faut savoir que j'ai mangé des centaines d'heures d'entraînement pour les compétitions. J'adore les grosses vagues, mais je suis fou de petites vagues. J'ai toujours à la maison une planche de petites vagues, toute prête pour aller surfer quand il y a 40 cm et m'amuser. L'été, il y a des fois où je suis vraiment frustré. Moi, quand j'ai fini, je vais partir de l'école de surf, je vais prendre ma bicyclette. Tu fais la course? Ouais. T'es prêt? Mais toi, t'es en électrique. Mais non, c'est pas vrai! Je vais arriver à la plage et ben, il y a 9 chances sur 10 pour que la marée soit trop haute et qu'il n'y ait plus de vagues. C'est un peu le parallèle à avoir et ouais, la coupure elle est forte, mais ça serait prendre une grosse décision que de me dire ok, maintenant je fais plus que ça quoi. Vous êtes sur la route? Ouais, j'arrive au péage à Biarritz. Ok, ben nous on est à la boulangerie à côté du péage là. Ah, tu peux nous prendre un beurre au raisin pour Gilbert s'il te plaît? Parfait, tu veux rien? Moi non, je veux rien, merci. Parfait. Allez, à tout de suite. À de suite. Nous sommes à Mundaka, une petite tempête en France. François pense qu'il y a des vagues, donc on va voir s'il a raison. Il y a Gilbert, le jeune Tahitien qui vient de rentrer dans l'équipe Oxbow qui est là. Donc l'idée c'est d'aller prendre, d'aller profiter de quelques belles petites vagues au Pays Basque avec toute l'équipe. Il y a Gilbert, normalement il y a Kepa, le local de l'étape qui nous attend. Voyons s'il nous a bien vendu
cette houle, le mystère, est-ce qu'il y a vraiment des vagues ou pas. En tous les cas, on va aller surfer, c'est déjà très bien. Sur une envie de surfer, 0 à 10, on va dire 19 sur 10. À peu près 6-7 mois sans surfer, il y a un moment où ça commence à... Ouais, l'envie elle commence à être très très forte. Je pense que cette année, je vais essayer de me goinfrer au maximum. Tu te demandes où je t'emmène là? Moi aussi. Il est gourmand comme tout là, il va halluciner. Tortilla. Vraiment tout ça quoi. Pas mal le col. D'accord là. Ouais, pas mal. Bonne idée. C'est mieux que les Espagnols. On est bien en 5-8 là dans le courant. Ouais. Ouais hein. T'en pas. En remontant il y aura 2 mètres. C'est sûr. Ça va grossir en plus. Il y a des vagues quand même là. Ouais, grave, regarde celle-là. Ah oh, ça genou. Elle est comme ça, là, pour moi. Le bon sable, il est grave, hein. Quand ça va être marée basse, il y aura des plus longs, même avec ces conditions. Alors, si tu prends une vague et que c'est un peu loin, c'est mieux de revenir là. Et là, le courant ici, il t'amène au rocher là-bas, mais en... Tu vois, en 2 minutes, tu es là-bas, quoi. Le mec est amoureux du orange jusqu'aux cordelettes. Le fly le plus méchant de la journée là. Et le courant, vous m'aurez retrouvé sur l'île là-bas avec Père Pourras. Tu prends les miettes? Bon. Compliqué. Bon, après il y a des vagues. Hein. Et où tu peux take off? Tu peux take off là où tu veux. Incroyable luego, tío. Vous pouvez quedarte aquí? Non. Hein. Pero los chicos entran, sí. Pocas olas a esperar aquí, ¿no? Las pequeñas que van. Ah, y hay oportunidades, ¿eh? Sí. A ver, a ver. ¡Oh! De toute façon, quitte à prendre des miettes, autant les prendre à marée basse. S'amuser à surfer en dive. Moi j'aurais surfé quoi. J'aurais pas regardé des mecs surfer toute la journée. C'est frustrant. Ce serait agréable d'avoir les vagues d'hiver avec le temps de l'été. Hein. Fichette un peu quand même. It's middle tide. Okay, yeah. So when it's very like big tides, the window is 40 minutes. And when it's small tides, you can surf 4 hours. And also it needs more swell. A surfear. Sí, increíble, ¿no? Hay los grandes todos los días. Todo el tiempo. Igual cuando uno es gigante, hay, no sé, 3 metros que con una fuerza increíble. It's good, ¿eh? It's good? Simple, hein? Oui, 200%. Non, mais regarde, il y a des petites gauches qui déroulent, il y a moyen de prendre plein de vagues fond bord, regarde ça. Ah, no barrel. Regarde, là tu remontes là-dedans, no boum! No barrel, high tide, no barrel. Boum! Ça, c'est du. C'est boum! Il y a carrément des vagues. Ultra cool. Bon, j'ai fait la paix avec Mundaka, c'est bon. J'ai eu une vague. Ça va aller le coup de
de repartir et pas rester sur, sur une mauvaise impression. C'est très bien, très bonne idée. Non, compliqué, ben Mundaka, toujours pareil. Hein. Il y a beaucoup de monde, une vague world class. C'est dur de rester à l'eau, de regarder les gars surfer. Tu vas pas au pic parce que ben, y a les locaux, tu respectes les locaux bien évidemment. Enfin, moi du moins, je reste un peu plus bas et du coup tu vois des gars prendre des vagues de malade et tu te dis à quand la mienne, à quand la mienne, à quand la mienne. Il y a du monde, ça te tourne autour, donc ça peut être frustrant, mais un jour la bombe viendra, on va dire. C'est cool, on a des jolies vagues qui arrivent ce week-end en France, donc on va pouvoir bien profiter. Allez, mange. Je vais avoir une vague avant que tu sois installé. Vous connaissez beaucoup des comme ça? Non. Je pense que vous êtes sur chaud pour vraiment pas grand chose.